Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va? Tu voulais être au cas où je suis là? Ça va, ça va? C'est important. Vous lirez dans la presse demain les tenants et les aboutissants de cet accord. Et dans le canard enchaîné, si vous le souhaitez, à la demande de M. Bossard. On ne veut pas connaître les dessous, on les imagine. Donc, de plus en plus nombreux à rejoindre les ateliers groupes de réflexion. Vous, les jeunes actifs, puisque vous êtes impliqués déjà dans la vie professionnelle, et que ces sujets arrivent, vous les connaissez. Remercier l'ensemble des élus et particulièrement M. le maire d'être présent ce soir et d'assister à notre réunion, Jean-Charles Bossard et Dominique Tibéri. Merci à Franck qui est chargé de mission au niveau national en sociologie. Donc 1960, toujours la maîtrise des déficits, bien sûr, la dépendance, la fiscalité du patrimoine. L'Assemblée nationale, élu depuis la 16, mais élu depuis comme député, ce maire de Troyes. Bref, vous l'aurez compris, Monsieur Barouin n'est plus tout à fait dans la situation du jeune premier lorsqu'il est nommé en mars 2010 ministre du budget. Manifestation politique en dehors de mon département, c'est en fait la première manifestation un peu en dehors de mon champ de compétences et de mon caractère relatif pour permettre le débat. J'avais considéré que la rigueur était un gros mot, c'est même un mot plutôt flatteur dans l'esprit d'un certain nombre de Français. Simplement, il est connoté politiquement, il a été tué au début des années 80 par la politique. Et la gauche au pouvoir, ils ont ouvert un pouvoir, ils ont libéralisé l'ensemble de tout ce qui est en termes de dépenses sociales, de dépenses publiques, ça a été mis en place dès 60 ans. Ce que disait Karel Tchèque, c'est assez juste, sur des mesures très difficiles, dans le choc de lettres, bien sûr, qui n'est pas sur le cœur, sur le cœur social des parois, etc. C'est ça, je l'ai dit en réponse à Héron, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, concernant les fondamentaux, il y a quelques fondamentaux à respecter. Un chef, une équipe, un projet. Le chef, on l'a, c'est on a un système bancaire qui est parmi les plus stables au monde, son ratio, et surtout, il ne faut jamais l'oublier, on a un taux d'épargne privé qui est parmi les plus élevés au monde, qui est passé à 17%. Quand les investisseurs regardent ça de l'extérieur, ils se disent une croissance bien supérieure au nôtre. Et comment d'ailleurs est-ce qu'on l'explique? Deuxièmement, parce que bon, toutes les raisons que le ministre connaît mieux que nous. La deuxième chose sur un plan, alors je parle à l'homme politique porte-parole et en même temps à l'élu local. Dans le textile ou ailleurs, c'est ça l'idée de cette fiscalité. Maintenant, t'es bien social, je crois franchement que. Merci, M. le ministre. On a été ravis de vous accueillir, on espère vous revoir très vite. Merci à vous, merci pour votre travail. C'est très intéressant.